ce pâté de campagne qui nous pure merveille. Regarde, regarde. Tu bois et tu mangeras quand tu auras parlé. 48 heures de diète n'ont jamais tué personne, monsieur le commissaire. De plus, c'est excellent pour la santé. Allons, allons, un bon mouvement parle. Mais voilà deux jours que vous me posez les mêmes questions. Je vous ai dit tout ce que je savais. Moi, je ne peux plus, je ne peux plus. C'est très mauvais pour les nerfs, monsieur le commissaire Levin. Ça suffit, ça suffit. Tiens, 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 tu vas voir. Tu vas voir. Dis donc, ton article, il était faux, hein? Mais c'est exact, il était faux. Tu prétends qu'il était faux maintenant que tout le monde croit qu'il était vrai? Ben, c'est pourtant vrai. Mais qu'est-ce qui est vrai? Que tout le monde croit qu'il était vrai? Mais non, c'est pourtant vrai qu'il était faux. C'est pourtant vrai qu'il était faux. Oui, enfin bon, tu mens! Tu mens, tu mens! Il ment, il ment! Est-ce que vous m'avez accusé de mentir quand je disais que j'avais menti ou d'avoir menti quand je disais... Oh non, suffit, tais-toi, tais-toi, tais-toi! Non, écoute, écoute, écoute. Mais je ne te permets pas de me vouvoyer! Enfin, je ne me permets pas de me tutoyer, ça suffit, hein! Ça va, ça suffit, là! Écoutez, visiblement cet homme est épuisé, il ne peut plus suivre un raisonnement logique, alors nous reprendrons cet interrogatoire demain matin. Alors messieurs, ramenez-le dans sa cellule. Aujourd'hui, une fois de plus, je ne vais pas chercher la polémique. Je ne vais pas condamner tel ou tel. Je vais me contenter de vous montrer l'absurdité de ce que la science nous propose pour vrai. Je vais pointer du doigt les zones de mensonges et d'illusions de ce monde, l'étendue abyssale de l'industrie du faux. Je vais vous inviter au questionnement, à la remise en question, à vous interroger sur le cadre qu'on vous propose, qu'on nous propose depuis l'enfance. Je vais vous encourager aussi à entrevoir le moment où nous devrons tous unir nos forces, où que nous soyons sur cette planète, car tout s'accélère et nous sommes déjà à la lisière de la troisième renaissance. On me reproche souvent de ne pas donner de référence. En tant que robots humains, nous avons en effet tous besoin de référents, de références et de preuves pour nous rassurer. Cela fait partie de notre programmation primaire. Mais au fond, quelle source, quelle référence sommes-nous en droit d'attendre? Le fait que telle ou telle sommité ait dit la même chose un peu plus tôt est-il une garantie de crédibilité? Avons-nous besoin de nous en remettre toujours à une autorité supérieure, reconnue, pour nous guider vers la vérité, vers la lumière? Et ces autorités, elles ont été elles-mêmes reconnues par quelles instances supérieures? Et ces instances, par quelles institutions ont-elles été reconnues? Et quel organisme encore supérieur a-t-il reconnu l'institution qui a reconnu ces instances? L'imposture n'est pas un phénomène historique, ça n'a jamais été autant d'actualité, simplement de par l'évolution en fait, de la méthode scientifique. Aujourd'hui, le nombre de disciplines s'est démultiplié, ouais. Les champs de recherche sont d'une précision ingérable pour les dirigeants. Il faut des résultats. Il faut des résultats, et donc on impose des publications et des découvertes aux jeunes chercheurs, qui sont donc pour le coup tentés de plagier ou d'inventer des résultats. On n'a jamais eu autant d'imposture, de fraude, ce qu'on appelle en fait d'inconduite scientifique depuis les 10 dernières années. Si nous vivons dans un monde de mensonges et de menteurs, d'imposteurs, comme je le prétends, en quelle source pouvons-nous faire confiance? Je vous ai déjà expliqué que les mensonges s'empilent les uns sur les autres et qu'un premier mensonge impose des mensonges toujours plus grands. C'est affreux, la mort en vrai. Tout va bien, on est en vie. Et on a le clin d'œil, tout s'arrête. Maman, l'infirmière. Les fonctions vitales se dégradent. Oh, maman. Maman. Tu as tort. Après la mort, ce n'est pas ce que tu as dit. Ce n'est pas le néant pour l'éternité. Tu vas aller où tu préfères, n'importe où dans le monde. Et tu y reverras tous ceux que tu as aimés et tous ceux qui t'ont aimé. Tu vas retrouver ta jeunesse. Tu vas courir et gambader comme avant et tu danseras.
avant tu dansais. Il n'y aura plus de douleur. Que de l'amour. Et du bonheur. Et là-bas, tout le monde a un joli manoir. Et ça durera pour l'éternité. L'éternité. Tu salueras papa pour moi. Dis-lui bien que je l'aime. Continuez. Dites-nous ce qui se passe d'autre. Maman. Je vais revoir ma mère quand je serai morte, c'est génial. Dites-nous en plus, s'il vous plaît. Ce besoin de référence est en réalité une illusion fractale de plus qui répond à cette puissante programmation de l'homme. Nous ne nous sentons jamais aussi bien qu'au sein du troupeau dans lequel nous nous reconnaissons et qui nous a reconnus avec un berger qui veille sur nous et qui nous dicte ce qu'il est bon de faire, de dire, de croire et de penser. Mouton docile ou mouton récalcitrant, nous sommes finalement tous des moutons de Panurge, heureux d'appartenir au troupeau. Il y a 24 heures encore, Marc Bellison était rien qu'un petit auteur complètement inconnu. Aujourd'hui, il est l'homme qui nous a révélé que, contrairement à ce que l'on pensait, il y a une vie après la mort. Si vous êtes ici, c'est sans doute parce que vous avez entendu parler de mes propos de l'autre soir, quand j'étais avec ma mère. J'ai des informations de toute première importance qui portent sur ce qui nous attend après notre mort. Tout ce que vous devez savoir est écrit sur ces boîtes de pizza. Numéro 1. Il y a une personne dans le ciel qui supervise tout ce qui arrive sur Terre. Un manoir pour tous. La NASA recherche l'homme dans le ciel. Enfin une raison de faire le bien. L'homme dans le ciel donne encore le sida à des bébés. Tsunami, l'homme dans le ciel tue 40 000 personnes. Quant aux preuves, malheureusement, comme je l'ai expliqué, quelle qu'elle soit, si la motivation est là, s'il y a un mobile, et il y en a toujours un, alors les faussaires se chargeront de les fabriquer. Aujourd'hui, je sème des graines. Certaines prendront, d'autres pas. Je n'impose rien. Je navigue d'une question à l'autre avec mes petits cailloux. Et c'est vous qui êtes la référence, la source. C'est vous, vous qui vous posez des questions, qui trouverez vos propres références au gré de vos recherches. Et vous penserez alors à mes cailloux. Et ils prendront alors tout leur sens. C'est ainsi que doit se faire le chemin, la quête. Nous sommes des petites unités de programme. À nous de réécrire le programme global tous ensemble. Je n'ai pas toute la connaissance, je n'ai pas la vocation de vous servir la vérité toute cuite. Je revendique le droit à l'erreur. Je ne suis pas en opposition et je ne cherche pas à diviser ni à mettre en opposition les uns et les autres. Je suis en résistance contre un système qui nous soumet, qui nous rend malades, qui nous rend bêtes et nous déshumanise. Dans un monde qui marche sur la tête, où tout se retrouve à l'envers, où nous regardons les choses à travers le miroir qu'est notre ego, je fais le choix de regarder à l'envers les choses qui paraissent acquises et qui sont tenues pour certaines, car je sais que j'y trouverai plus de vérité que n'en recèle toute la science. Dans cet épisode, nous allons surtout aborder des questions existentielles importantes. Même si ces domaines métaphysiques vous touchent un peu moins, vous y apprendrez pas mal de choses. Et puis,
Je vous réserve quelques perles dans la foulée, histoire d'eux. Après tout, comme on dit, il n'y a pas de mal à se faire du bien, et quand c'est la NASA qui régale. Alors, eh bien, rentrons dans le vif du sujet. Il est temps pour moi d'essayer de vous transmettre ma façon de voir la Terre, puisque, comme je vous l'ai dit, je pense qu'elle n'est ni plate, ni ronde. Mais avant ça, il faut que je vous raconte une petite histoire. C'est l'histoire de Jacques Bergier, auteur français, né en 1912, très respecté par le camp des moutons récalcitrants, mais aussi par les autres d'ailleurs. Avant la guerre, il est ingénieur chimiste. Il a fait ses études à la Faculté des sciences de Paris et à l'École nationale supérieure de chimie. Licencié S-Sciences, il se consacre à la recherche scientifique, notamment à la chimie nucléaire. L'aventure poétique dans laquelle nous sommes aujourd'hui embarqués, voilà maintenant un vivant qui va vous en parler. Jacques Bergier, spécialiste de physique nucléaire, certificat de services exceptionnels délivré par le président Truman, décoré par la France, décoré par la Russie, membre de l'Académie des sciences de New York, savant, vulgarisateur, poète, expert en réalité, parce que la réalité est fantastique. Jacques Bergier, depuis 5 ou 6 ans que nous travaillons ensemble, je crois, vous n'avez jamais cessé de m'étonner par l'étendue et par la variété de vos connaissances. Vous êtes la plus grosse tête chercheuse que j'ai jamais rencontrée. Et des savants, des philosophes, des journalistes, des vulgarisateurs font appel constamment à l'énorme bibliothèque qu'il y a dans votre crâne. Bref, du lourd le monsieur. La guerre éclate, son destin bascule, Jacques fera le parcours parfait du héros de la Seconde Guerre mondiale, il entre en résistance. On raconte que c'est son réseau à Lyon qui est à l'origine du bombardement de la base d'expérimentation de Pinemude, où les nazis et Werner von Braun testaient les fameuses fusées V2. Il sera arrêté par les Allemands, torturé à de nombreuses reprises et déporté en Allemagne jusqu'à la fin de la guerre. Après la guerre, agent secret, il aurait dirigé la branche française du centre interarmé de contre-espionnage allié et il aurait également fait partie des services britanniques de contre-espionnage. Alchimiste à 16 heures, Jacques Bergier est un libre penseur original et il est plutôt bien informé. Il a ses entrées dans de nombreux cercles. Il avait aussi d'ailleurs un accès direct à Charles de Gaulle et côtoyer les plus hauts sommets de la science de son époque. Il entretient évidemment de très nombreuses amitiés avec des savants et auteurs du monde entier, et parmi eux, eh bien quelqu'un que nous connaissons bien, lié à l'histoire ou, devrais-je dire, au spectacle de la conquête spatiale, un certain Arthur C. Clarke, auteur de 2001, l'Odyssée de l'espace, qu'il rencontre dès 1941. Plat ou rond, une chose est sûre, le monde est petit. Et voici donc ce que nous dit avec une sorte de légèreté toute d'intelligence notre ami Jacques à propos de la planète bleue en 1974 dans son livre « Visa pour une autre Terre ». Je cite « L'on trouvera dans les illustrations de ce livre la reproduction d'une carte du monde datant du XVIe siècle. Elle représente une région connue et tout autour des ténèbres peuplées de monstres. Nous sommes tous tout à fait sûrs que nous sommes beaucoup plus forts que ceux qui ont dressé ces cartes. Nous sommes tout à fait sûrs qu'il n'y a pas sur Terre de continent ou même de grande île inconnue. Nous sommes sûrs que nos beaux globes terrestres représentent notre planète telle qu'elle est. Eh bien, je n'en suis plus tout à fait certain. Je me souviens très bien encore de l'époque, il y a une dizaine d'années, où je me moquais de René Guénon, lorsque celui-ci affirmait que la géographie de la Terre est beaucoup moins bien connue que le dit la science, qu'il y a des régions où l'on peut aller et on peut revenir, mais qui ne sont pas représentables sur la carte. Je m'en moque moins depuis mai 1970, époque où j'ai appris de la bouche
d'un éminent représentant de l'autorité spatiale américaine que sur 250 000 photos de la Terre prises par des satellites artificiels, une seule montre des traces de l'activité humaine. Ce chiffre a été confirmé officiellement. Arthur C. Clarke le cite dans son plus récent ouvrage et la NASA a même publié une brochure intitulée « Y a-t-il des traces de vie sur Terre ?» De sorte que je ne ricane plus sur la tradition sur Avalon et sur Tirnambeo, sur le royaume du prêtre Jean, sur la géographie sacrée. J'estime qu'il y a une possibilité pour que ces idées ne soient pas des légendes et pour que la belle forme ronde de la Terre ne constitue qu'une seconde approximation, la forme plate étant la première. Mais comment serait-il possible que la Terre ne soit pas ronde ? Il est difficile de répondre à cette question sans rentrer dans des mathématiques extrêmement compliquées, mais disons tout de même que les mathématiciens connaissent ce qu'ils appellent des surfaces de Riemann qui sont composées d'un grand nombre de couches qui ne sont ni les unes au-dessus des autres, ni les unes au-dessous des autres. Elles occupent simplement le même espace, un espace plus compliqué que l'espace que nous concevons habituellement, un espace qui ne peut être décrit que par des fonctions d'une variable complexe. Quelle mouche a piqué ce Français qui se permet ici de lâcher des secrets américains très sensibles, secrets qu'il tient de confidence de ses vieux amis de la Résistance et qui sont des hauts initiés de la NASA. Car c'est exactement ce que fait notre ami Jacques. Sans en avoir l'air, il nous livre un secret inavouable, celui de la forme du monde dans lequel nous nous trouvons. Et depuis quand a-t-il remis en question la forme ronde de la Terre ? Il nous dit que c'est depuis mai 1970, c'est-à-dire moins d'un an après la controverse des missions Apollo 11. Et voici ce qu'ajoute Pergier quelques lignes plus loin. Si la Terre est une surface de ce genre, si fantastique que cela puisse paraître, il est possible qu'il y ait des régions inconnues, inaccessibles normalement, qui n'existent pas sur un globe ou sur une carte, mais qui existent pourtant en réalité. Nous n'en soupçonnons pas l'existence, pas plus qu'on ne soupçonnait l'existence des microbes ou des radiations invisibles du spectre lumineux avant qu'on ne les découvre. L'idée, bien entendu, paraît fantastique, comme d'ailleurs toute idée nouvelle. Je ne la présente pas comme une révélation, comme toutes les idées contenues dans ce livre, je la présente comme un jeu de l'esprit, une façon d'aller au-delà des frontières ordinaires de notre imagination et de s'élargir les idées. Alors, la dernière phrase est très révélatrice. Le fait que Jacques Bergier se sente obligé de préciser que cette idée n'est pas une révélation mais un jeu de l'esprit est pour moi un aveu. C'est ce qu'on appelle une précaution d'usage auquel tout auteur a recours lorsqu'il sait qu'il est en train de jouer avec le feu et que les informations qu'il ne peut pas s'empêcher de lâcher, tellement ça le démange, le place sur une frontière trouble et dangereuse qu'il n'est pas prudent de franchir. Je vous rappelle que le livre paraît en 1974, à peine 2 ans après la fin des missions Apollo. Ce que Bergier semble nous confier comme un jeu, sur un ton badin même, il le tient de ses amis et sans doute de son vieux camarade de combat Arthur C. Clarke, lequel était, on le sait bien, directement informé des secrets les plus sensibles de la NASA. Que nous dit encore Jacques Bergier sur la Terre ? Les seuls documents réellement scientifiques que l'on possède sur la question, ce sont les 250 000 photos de la NASA qui ne montrent pas la Terre telle que nous la connaissons. Le phénomène paraît commencer vers 300 km d'altitude et s'accentuer davantage vers 1000 km. Tantôt, on ne retrouve pas les continents, tantôt, on en voit d'autres. Une photo particulièrement curieuse recouvre l'emplacement de la grande ville industrielle américaine de Détroit. Aucune de ces photos n'a été jetée, elles sont toutes dans les archives de la NASA et peuvent être consultées. À mon avis, ici c'est un appel. Jacques Bergier ne comprend pas très bien ce qu'il doit interpréter des photos qu'il a vues ou qu'on lui a décrites. Mais il nous invite à aller y regarder de plus près,
Vraisemblablement, il n'est pas totalement initié au secret et il ne soupçonne pas l'inimaginable. Il n'est pas loin de la vérité lorsqu'il ajoute « Il paraît certain que les astronautes voient infiniment mieux que l'on aurait cru, infiniment mieux même que les lois de l'optique leur en donnent le droit. Les croquis faits par les astronautes devraient aussi être examinés avec soin, surtout lorsqu'ils montrent des villes que l'on ne retrouve pas. » Personnellement, ces croquis dont parle Bergier me font penser aux croquis réalisés par Thomas Pesquet alors qu'il était sur Soyouz, en route pour l'ISS. J'ai toujours été intrigué par la motivation de ces croquis. Pourquoi ne pas prendre des photos, tout simplement ? Entendons-nous, la question n'est pas de savoir ici si Thomas Pesquet a rejoint l'ISS. Je m'interroge sur ces histoires de croquis déjà présents, donc dès le début de la conquête spatiale. Lui a-t-on demandé de faire des croquis, car c'est le seul moyen d'obtenir une représentation conforme de la Terre lorsque on s'élève au-dessus d'une certaine altitude ? Les appareils photo étant, pour je ne sais quelle raison, inopérants ? C'est une question qui vient légitimement à la lecture de ce passage. Ces croquis sont d'autant plus curieux de la part d'un Thomas Pesquet qui allait, une fois à bord de l'ISS, se métamorphoser en expert de la photographie. Et Jacques Bergier, de conclure, tout ce que j'espère, c'est qu'un certain nombre de lecteurs regardant un globe terrestre concluront peut-être que ce n'est pas le dernier mot de la science. Pas mal de gens se sont moqués de l'image d'un monde à la Pac-Man que je proposais lors d'un épisode des Rendez-vous avec Rock. À la décharge des moqueurs, je n'avais pas pris la peine ni le temps de développer cette idée et il n'est pas évident de comprendre ni d'intégrer certaines notions liées aux autres dimensions et autres mondes invisibles. Mondes dont beaucoup ignorent non seulement les interactions avec notre réalité, mais aussi carrément se refusent d'admettre l'existence. Je savais, en affirmant que nous étions dans une réalité 2D et que nous projetions notre réalité 3D à l'intérieur de nous, dans nos consciences, et que via notre ADN, notre cerveau décryptait les informations sous la forme d'hologrammes pour restituer un monde en relief, je savais que j'allais m'exposer à l'incompréhension et à la moquerie. Pourtant, on ne peut ignorer ce débat du principe holographique. De nombreux travaux scientifiques publiés suggèrent que dans les premiers stades de l'univers, notre monde fut projeté en trois dimensions à partir d'un hologramme à deux dimensions. Le professeur Skenderis de l'université de Southampton propose également la même chose. Imaginez, dit-il, que chaque chose que vous voyez, sentez ou entendez en trois dimensions émane d'un champ plat en deux dimensions. En fait, la question que se posent encore les scientifiques, c'est comment s'est opérée cette transition entre les deux univers. Selon moi, la réponse est contenue dans l'ADN. Ceux qui connaissent mon livre savent le rôle majeur que je lui attribue. La théorie de la Terre plate est pertinente dans le sens qu'elle nous oblige à nous poser des questions existentielles qui touchent à l'espace et au temps. Où sommes-nous ? C'est-à-dire, dans quoi sommes-nous ? C'est la question du contenant, car pour qu'il y ait quelque chose, il faut bien que cette chose soit contenue quelque part. Or, si je peux dire que je suis dans ce studio, que ce studio est à Paris, que Paris est en France, etc., au bout du bout, il me faut bien admettre que la question impose une réponse fractale. C'est comme de regarder à l'intérieur de soi, et le résultat fait penser à deux miroirs qui se font face. Concernant le problème du temps, voici la question. Quelle est l'origine des choses ? Dans ce monde 3D, tel que nous le percevons avec nos cinq sens, il faut bien qu'il y ait une origine, une cause à toute chose, un précédent. Et là encore, nous débouchons sur la réponse fractale des deux miroirs qui se font face. Cela nous prouve que nous vivons dans une réalité où l'essentiel est invisible pour les yeux. Ce n'est pas un monde de matière, contrairement aux apparences. C'est un monde de fréquences, d'ondes, d'énergie et d'informations. Et partout où l'on se penche,
on retombe toujours sur ce même questionnement qui nous désarçonne. Comment expliquer, par exemple, le fonctionnement d'un objet aussi quotidien et banal qu'un ordinateur? Comment concevoir que des cartes, des puces, des circuits et des diodes, de la matière en somme, soumises à des impulsions électriques, tout comme notre cerveau, puissent à ce point imiter et servir d'extension à notre intelligence? Et je ne parle même pas ici de notion de temps. Car comment comprendre que cette technologie sortie de nulle part ait pu, en seulement quelques décennies, connaître un tel bond en avant? Et puisque j'aborde le sujet de l'invisible, il est intéressant de noter que les médiums et tous ceux qui pratiquent le voyage astral ont toujours vu la Terre ronde depuis l'espace, lorsqu'ils étaient en sortie de corps. Je n'ai jamais entendu aucun clairvoyant affirmer avoir vu la Terre plate, ou du moins une Terre ne ressemblant pas du tout aux photos, dessins, de la Terre que nous présente la NASA. Pour moi, c'est un indice révélateur. Cela me conforte dans l'idée que l'astral, le haut astral comme le bas, font bien toujours partie de la matrice artificielle et qu'une fois morts, nous restons attachés à notre programmation mentale. Le paradis que nous font miroiter de nombreuses religions n'est qu'un leurre supplémentaire, une autre illusion et même mort, avec notre corps astral, nous conservons nos cinq sens et notre vision reste limitée. Nous sommes toujours enfermé dans cette matrice 2D, sur une autre fréquence, certes,
enfermé tout de même dans un piège dont on ne s'échappe pas si facilement. Bon, oh là là, Rock, attends, arrête avec tes digressions, là, tu nous saoules avec ta philosophie de bazar, on veut du concret, nous, du lourd. Ok, oui, mais avant, pour vous expliquer vraiment à quoi ressemble la Terre, souvenez-vous de ce que disait Jacques Bergier. Il est difficile de répondre à cette question sans rentrer dans des mathématiques extrêmement compliquées. Mais disons tout de même que les mathématiciens connaissent ce qu'ils appellent des surfaces de Riemann. Alors, pour vous dire ma façon de concevoir la Terre, je suis obligé de vous parler, moi, des Sims, de Pac-Man. Je suis obligé de vous expliquer en quoi consistent ces surfaces de Riemann. Et puis, il faut que je vous raconte une autre histoire, une histoire de mathématiques, car finalement, tout est mathématique dans ce monde, et je n'invente rien, ils sont très nombreux avant moi à l'avoir remarqué. C'est l'histoire d'un homme hors norme, hors du commun, un homme d'exception, John Forbes Nash. Des mathématiciens ont gagné la guerre. Des mathématiciens ont déchiffré les codes des Japonais et mis au point la bombe. Des mathématiciens comme vous. Le but avoué des soviétiques est le communisme global. En médecine ou en économie, dans la technologie ou dans l'espace, on positionne les lignes de défense. Pour triompher, il nous faut des résultats. Des résultats publiables et applicables. Mais lequel d'entre vous sera le prochain Morse? Le prochain Einstein? Lequel d'entre vous sera un pionnier de la démocratie, de la liberté et de la découverte? Aujourd'hui, nous remettons l'avenir de l'Amérique entre vos mains expertes. Bienvenue à Princeton, messieurs. Né en 1928, Nash va connaître une carrière mathématique fulgurante de tout premier plan au sein des laboratoires les plus prestigieux. MIT, Courant Institute, Princeton. Ses publications dès les années 50 feront sa renommée dans le monde des mathématiciens du XXe siècle. Nash a travaillé dans le domaine de la théorie des jeux, ce qui lui vaudra son prix Nobel d'économie. Mais ce n'est pas ici ce qui nous intéresse. En fait, en 1953, alors qu'il est encore un très jeune et impétueux mathématicien à qui ses collègues veulent rabaisser le caquet, il est mis au défi de résoudre un problème géométrique qui jusque-là a résisté aux assauts des meilleurs, le problème du prolongement isométrique des variétés riemanniennes. Et là où tous les autres vont échouer avant lui, Nash va réussir. Autrement dit, il va comprendre avant tout le monde et schématiser la forme mathématique la plus proche de ce à quoi ressemble la Terre. Seulement, problème. Quelques années plus tard, en 1959, il fait une première crise de schizophrénie paranoïde aiguë. Il déclinera par lettre un poste de professeur à l'université de Chicago en déclarant qu'il s'attendait à bientôt être nommé empereur de l'Antarctique. L'Antarctique, décidément. Le continent le plus mystérieux de la planète. Enfin, en tout cas pour les platistes, c'est le pourtour du disque plat. Et pour l'amiral Byrd, une porte vers d'autres terres inconnues, immenses et aux ressources inépuisables. Je vous renvoie au premier épisode de la saison 1 des Rendez-vous avec Rock. Durant 9 ans, il va subir les pires traitements psychiatriques de l'époque. Électrochoc, mais aussi et surtout la terrible thérapie de choc à l'insuline. Le vrai cauchemar de la schizophrénie, c'est qu'on ne sait plus ce qui est réel. Imaginez que vous appreniez tout à coup que les gens, les endroits et les moments les plus importants pour vous ne soient ni passés, ni morts, mais pire. Imaginez qu'ils n'aient jamais existé. Vous seriez vraiment en enfer.
injection de l'insuline. 8h42 du matin. Au-delà de ça, faut-il s'étonner du fait que l'homme qui, par abstraction mathématique, a vu la Terre le premier, en approchant sa forme véritable au plus près, faut-il s'étonner que cet homme ait été frappé dans la foulée d'une telle maladie ? En effet, la sublime connaissance ne reste jamais impunie. Les schizophrènes ne côtoient-ils pas les démons et les dieux? Au bout de 9 ans, Nash va finalement apprendre à vivre avec sa maladie dans une extrême pauvreté. Puis, en 1990, il va connaître une guérison spontanée qui sera définitive dans le milieu de la décennie. Il reçoit son prix Nobel en 1994 pour ses travaux réalisés 40 ans plus tôt. J'ai toujours vénéré les nombres, dans les équations et la logique qui mènent à la raison. Mais après toute une vie d'investigation, j'ignore encore à quoi nous sert la logique. Qui régente la raison? Ma quête m'a emmené dans l'univers physique et métaphysique, dans l'illusion, et m'en a ramené. J'y ai fait la plus importante découverte de ma carrière. La plus importante découverte de ma vie. Il n'y a que dans les mystérieuses équations de l'amour que l'on peut trouver raison et logique. Si je suis ici ce soir, c'est grâce à toi. Tu es ma raison d'être. Tu as toutes mes raisons. Merci. Puis en 2015, il reçoit le prix Abel et il meurt moins d'un mois plus tard dans un accident avec son épouse. Il y a des destins difficiles et certaines découvertes interdites se payent au prix fort.
A-t-il payé pour voir, pour avoir vu ce qu'il ne devait pas voir? Ce que Nash a résolu, il a résolu le problème du tort carré plat, tout simplement. Vous savez, Pac-Man. Enfin, pas tout à fait Pac-Man, mais d'autres personnages de jeux électroniques qui, vous savez, sortent d'un côté de l'écran et réapparaissent de l'autre côté aussitôt. Haut, bas, droite, gauche et vice-versa. Pac-Man, quant à lui, le pauvre ne peut se déplacer qu'à travers deux côtés de l'écran. Il est bloqué en haut et en bas par des barrières infranchissables. Dans le cas du tort carré plat, les personnages peuvent sortir et réapparaître par les quatre côtés. Cette configuration de déplacement des personnages de jeux vidéo n'est pas logique et n'a pas de sens dans notre réalité. Eh bien, Nash a donc réussi à recomposer la forme exacte, la forme réelle, et respectant la logique qui emprisonne ces personnages dans les déplacements tels qu'on les voit. C'est comme s'il avait réussi à déformer l'écran plat pour l'introduire dans la troisième dimension de façon à reconstituer concrètement les jonctions nécessaires à la continuité du déplacement d'un être bidimensionnel enfermé dans un tore carré plat. Essayez chez vous, pour voir, avec une feuille de papier. Oui, Nash, c'est vraiment du lourd. Donc, vous l'avez compris, cela consiste dans un premier temps et en toute logique à rejoindre le haut de la feuille avec le bas et à coller les deux côtés ensemble. La forme qui se dessine est celle d'une bouée. Sauf que cette transformation en forme de bouée impose un inconvénient majeur. La forme ne respecte pas les dimensions originelles de l'écran carré plat. En conséquence, le personnage qui sortirait par le côté droit ou gauche disparaîtrait un petit moment avant de réapparaître de l'autre côté du fait que l'écran carré ne peut afficher les zones d'allongement des distances que l'on constate sur les côtés. La bouée ne donne donc pas une représentation fidèle du tore carré plat. Elle génère une distorsion, une anomalie systémique que l'on constate avec la disparition plus ou moins longue du personnage lorsqu'il sort de l'écran sur le côté. Un laps de temps s'écoule avant qu'il ne réapparaisse. Comment régler ce problème des distances faussées? Autrement dit, comment représenter un tore carré plat sans déformer les longueurs? Et sachez que cet exemple n'est juste qu'un des aspects du théorème que Nash était au défi de résoudre. Et il va être si brillant qu'il va bouleverser complètement les certitudes que les mathématiciens s'étaient forgées sur le sujet des plongements isométriques. Mikhaïl Gromov, considéré comme l'un des plus grands géomètres contemporains, dira de Nash « Beaucoup d'entre nous ont la capacité de développer des idées. Nous suivons des chemins balisés par les autres, mais presque personne parmi nous ne pourrait produire quelque chose de comparable à ce que Nash a produit. Il a complètement changé la perspective. » Ce que Nash découvre, c'est que les plongements isométriques sont incroyablement nombreux. Si nous ne les voyons pas, si nous passons systématiquement à côté, c'est tout simplement parce que notre intuition est bien trop policée pour imaginer leur présence. De plus, la forme de ces plongements isométriques doit être lisse et grumeleuse à la fois. Un paradoxe. Dans les années 50, on sait donc, grâce à Nash, qu'il existe une infinité de représentations respectant les longueurs du tore carré plat. Mais on est incapable d'en dessiner une seule. Il faudra attendre bien des années plus tard et recourir à l'ordinateur pour qu'une équipe réalise enfin un programme qui nous permette de reproduire la vision à la fois infinie et fractale de la réalité telle que Nash l'a concevée. Ainsi, et là je reviens sur notre problématique terrestre, les univers parallèles sont partout autour de nous. Nous les enjambons constamment, car l'espace qui nous entoure est comme une feuille repliée sur elle-même, des millions et des millions de fois. À chaque microseconde, nous passons d'un univers à l'autre, d'un écran à l'autre, d'un miroir à l'autre, sans nous en rendre compte.
Vous n'avez jamais ressenti l'impression d'un déjà-vu? Vous n'avez jamais remarqué comme un flash de lumière l'impression d'un décalage infime dans un mouvement, un trajet en voiture qui s'effectue plus rapidement que d'ordinaire? La simulation n'est pas exempte de tout défaut. Il y a dans certaines zones ce qu'on pourrait appeler des pixels morts. En fait, nous ne nous rendons compte de rien, pratiquement. Ces bugs sont presque imperceptibles. Nous passons à côté, et lorsque nous les remarquons, nous les oublions aussitôt. Il est très difficile de sortir de nos schémas d'illusion. Il arrive pourtant que certains bugs soient plus importants que d'autres, lors de certaines mises à jour. Et dans ce cas, les plus éveillés relèvent des différences dans bien des domaines, et notamment touchant à la mémoire. Toujours selon moi, la Terre que nous connaissons serait juste une fractale d'un plus grand ensemble, une onde et des milliards de fréquences qui tourneraient en permanence sur elles-mêmes à la façon d'un tore avec effet de pas de vis. Nous évoluons donc dans une réalité riemannienne, sauf que pour nous, les accès au sud et au nord, c'est-à-dire en bas et en haut de notre écran, nous sont strictement interdits à cause des barrières des pôles. Et c'est d'ailleurs ce qui nous rapproche de la situation de Pac-Man. Tous les 1000 ans, nous avons fait un tour sur nous-mêmes et il se produit ce que j'appelle le blackout, un processus alchimique ressenti comme un blitz électromagnétique provoqué par une modification des fréquences à l'intérieur du tore même et qui impacte ce que nous appelons la matière. Tout le système sur la Terre est remis à zéro. Bon, ça calme un peu tout ça. Je vous vois froncer des sourcils derrière vos écrans, les paupières qui sont lourdes, les dents qui se touchent plus. On va passer, je vous rassure, à des questions plus piquantes et plus factuelles. Et puis tiens, je vais vous détendre un peu, je vais vous reparler de notre ami Mérère. Vous savez, ce bon chef de chantier Mérère qui a eu la gentillesse, un beau matin, d'enterrer toutes ses notes, une sorte de journal de bord, il y a 2500 ans. Et notamment, ces fameux papyrus dits de Khéops, dans lesquels il explique comment il transportait les pierres par le Nil pour construire la pyramide du même nom. Du haut de ses 146 mètres et de ses 5 millions de tonnes, la pyramide de Khéops est encore aujourd'hui le monument de pierre le plus imposant jamais construit sur Terre. Nous allons suivre des experts qui ont pu étudier des documents exceptionnels dans lesquels figurent des indications très précieuses sur les méthodes employées par les ouvriers égyptiens. C'est en effet dans un papyrus récemment découvert qu'une partie des techniques de construction ont été révélées. Grâce aux fouilles archéologiques et aux images de synthèse, nous verrons aussi comment les milliers de blocs de pierre ont été transportés. Vous allez comprendre par quels moyens incroyables les ingénieurs de l'époque ont détourné le cours du fleuve pour qu'il parvienne au plus près du plateau de Gizeh. Des découvertes qui permettent de faire toute la lumière sur les 23 années de travaux nécessaires à cette construction de tous les records. Les techniques employées vers 2560 avant notre ère pour édifier ce tombeau géant restent encore une énigme. Mais aujourd'hui, une équipe d'archéologues espère élucider le mystère grâce à de nouvelles découvertes. Le journal de l'un des bâtisseurs en passe d'être déchiffré. Il apporte un nouveau regard sur la construction de la pyramide. Armés de ces nouveaux indices, les archéologues vont tenter une expérience révolutionnaire. Il y a de l'eau à l'intérieur. Leur objectif, dévoiler les secrets des bâtisseurs égyptiens. C'est coincé. La découverte miraculeuse des papyrus de Khéops nous apporte donc la preuve que toute l'égyptologie attendait depuis toujours. Les pyramides ont été montées avec des pierres taillées dans des carrières lointaines et non pas avec des pierres moulées comme de plus en plus de chercheurs de vérité commençaient à le comprendre. C'est donc la découverte du siècle
qui met un terme définitif au mystère entêtant de la construction des pyramides. L'Égypte expose pour la première fois depuis ce jeudi au Musée national du Caire le plus vieux texte écrit sur papyrus jamais retrouvé. Ce manuscrit rapporte le quotidien et le mode de vie des ouvriers du port de Wadi al-Jarf, au sud de Suez, qui ont pris part à la construction de la grande pyramide de Khéops à Gizeh il y a plus de 4500 ans. Les manuscrits rapportent des statistiques et des travaux administratifs qui ont eu lieu pendant le règne de Khéops et mettent en relief le mode de fonctionnement du système administratif. Ils contiennent également les règles pour tailler la pierre et les projets de construction de la grande pyramide. Méticuleux, pointilleux, un gars qui a le souci du détail, Merer. Il compte tout caillou par caillou, genre un bon fonctionnaire à l'allemande, issu des grandes écoles de l'administration de l'Égypte antique façon Christian Jacques. Efficace dans la manœuvre, rigoureux, exigeant avec ses hommes, dur, mais sympa quand même, n'hésitant pas à mettre la main à la pâte, oups, à la pierre de taille, pardon. Enfin, bref, affiler le coup de main quand c'est la bourre, quoi. Il s'appelle Merer et le document révèle que c'est un contremaître chargé du transport par bateau d'une précieuse cargaison. Son équipe de 40 ouvriers doit transporter plusieurs milliers de tonnes de pierres sur le Nil. La destination finale de la cargaison est le site de la Grande Pyramide. Merer nous a donné beaucoup d'informations. La découverte du papyrus est très importante. Il nous donne des informations précieuses sur la vie des ouvriers et sur la façon dont ils découpaient et détachaient les blocs. Le bruit des coups de marteau et du burin qui s'enfonce dans la pierre était comme une petite musique pour les ouvriers. Merer devait être très habitué à ce bruit et à ces scènes d'activité dans une carrière. Les Égyptiens de l'Antiquité faisaient ce travail harassant toute l'année, malgré la chaleur extrême. Tout retard dans la livraison des pierres aurait entraîné la suspension du chantier. Vous l'aimez bien aussi, Merer. Tout le monde l'aime bien, de toute façon. Le genre de chef avec qui on a plaisir à aller prendre un pot le samedi soir après une dure semaine de labeur. C'est qu'il faut les charrier tout de même, sur le bateau, ces centaines de pierres taillées pesant chacune plusieurs tonnes. C'est pas comme s'il y avait des soucoupes volantes. Ça, c'est au Pérou, là-bas. Même les momies sont extraterrestres. C'est trop facile, leur pyramide au Pérou. Mais en Égypte, c'est à peine s'ils connaissaient la roue. Si on en croit les scientifiques, ils en étaient encore au rondin de bois et à l'huile de coude. Bon, passons. Je m'échauffe. Merci, Merer. Merer, il mériterait qu'on retrouve aussi sa momie dans la foulée pour la peine. Bref, les papyrus de Khéops, faut le savoir, sont les plus vieux du monde. Les seuls de cette époque qui ont résisté à l'épreuve du temps. Coup de bol, non ? Heureusement. Heureusement qu'il n'écrivait pas sur des cahiers Clairefontaine. Pas bête, Merer. Bon, soyons sérieux, deux minutes. Ça, c'était vraiment juste pour vous réveiller. En tout cas, il y a une chose symptomatique dans toute cette histoire, ce que j'appelle le clin d'œil de la matrice. Le croirez-vous si je vous dis que le découvreur de ces papyrus, un égyptologue français, s'appelle Pierre Thalé, à ne pas confondre avec Pierre Taillé. Mais tout de même, c'est un bon moyen mémotechnique pour ceux qui ont des problèmes avec les noms. Là, les gamins qui se planteraient en histoire au bac, franchement, ils n'auront vraiment pas d'excuses s'ils nous parlent encore de Pierre Moulet. Désolé, dès que je parle de Merer, c'est plus fort que moi. Mais la question qui me vient, moi, c'est comment des papyrus datant soi-disant de 2500 ans, datant donc de la prétendue époque de Khéops, peuvent-ils nous parler de carrière de pierre taillée et de pyramide et du travail sur ce grand chantier, alors que toute personne, un tantinet sérieuse et cultivée, sait bien que Khéops, si seulement il a vraiment existé, n'a de toute façon jamais construit aucune pyramide. Et là, je dois, une nouvelle fois,
vous raconter une drôle d'histoire. En 1836, le colonel anglais Howard Wise arrive en Égypte. À la tête d'une équipe d'ingénieurs, il commence ses fouilles à l'intérieur de la grande pyramide, mais il ne trouve rien. À côté, sur le site, les équipes italiennes n'arrêtent pas de faire des découvertes qui soulèvent l'admiration de tous et qui multiplient surtout la générosité des investisseurs. Pour Wise, la pêche est peu fructueuse. Un panier en osier dans une chambre de la reine, vide. Wise, qui a de l'ambition, qui descend d'une famille prestigieuse, ronge son frein. Il espère vraiment faire une découverte exceptionnelle qui fera entrer son nom dans l'histoire. C'est même pour lui une obsession. Il y croit encore. Il croit vraiment, le colonel Wise. Et le succès de toutes les autres équipes autour de lui, ça le rend fou. La situation est d'autant plus désespérée que les investisseurs qui financent ses recherches sont sur le point de le lâcher. Il fouille, refouille dans des zones déjà découvertes avant lui, sans jamais rien trouver, notamment dans la première chambre de décharge, au-dessus de la chambre du roi. Cependant, au moment où tout le monde est sur le point de l'abandonner, la chance lui sourit enfin. En partant de cette première cavité, la première chambre de décharge, il va mettre à jour les quatre chambres de décharge situées juste au-dessus de la première. Ces quatre chambres n'ont jamais été ouvertes avant lui. Et là, surprise, sur les parois de ces quatre chambres de décharge, il découvre des graffitis laissés par des ouvriers qui ont forcément travaillé à la construction de la pyramide. Ça paraît pas grand-chose comme ça, mais je vous le signale que la grande pyramide ne contenait jusqu'alors aucune inscription, aucune peinture, aucune fresque. Pas plus d'ailleurs que la première chambre de décharge découverte bien avant Wise. Cette découverte inattendue de graffitis, présent uniquement dans les quatre chambres découvertes par l'équipe de Wise, est donc vraiment extraordinaire. Pourtant, Wise ne parlera pas de ces inscriptions le jour même dans son journal. Il ne les mentionnera que le lendemain, après avoir fait visiter la cavité à des collègues pour qu'ils puissent témoigner de sa découverte. À la suite de quoi, il découvre une seconde chambre de décharge qui contient elle aussi des graffitis, et ainsi de suite, jusqu'à la cinquième. Dans les premières chambres, les graffitis ne présentent guère d'intérêt. Au mieux, on peut y lire quelques noms de chefs de chantier. Oui, je sais ce que vous pensez, mais non, l'histoire ne dit pas si le nom de Merer figure parmi les graffitis. Ce que nous dit l'histoire, en revanche, c'est que dans la cinquième chambre, la quatrième découverte par Wise, se trouve enfin le jackpot, des inscriptions au nom du pharaon Khéops. C'est cette découverte qui permettra d'attribuer un nom au constructeur de la Grande Pyramide. Toujours est-il que ces graffitis inscrits grossièrement à la peinture rouge contiennent une faute monumentale. En tout cas, si l'on s'en tient aux copies que réalisera Wise dans son journal et ses rapports. En fait, on trouve le nom de Khéops écrit sous différentes formes dans cette chambre, mais toujours avec des fautes. C'est un peu dommage. On trouve le KH de Khoufou, dénomination grecque de Khéops, parfois avec deux traits au milieu d'un cercle, d'autres fois avec un point, et une autre avec une espèce de croix ou gribouillis. Mais en tout cas, jamais de la bonne manière, c'est-à-dire avec trois traits horizontaux dans un cercle. À l'époque de Wise, seulement deux livres existaient sur l'écriture hiéroglyphique. Materia Hieroglyphica, de Sir John Gartner et Wilkinson, datant de 1823, et Voyage de l'Arabie Pitrie, par Léon de Laborde. Or, le second livre a dû copier sur le premier, puisque les deux présentent la même faute sur le nom de Khéops. Khéops est écrit avec un point dans le cercle qui correspond à Ra et non à Que. C'est en tout cas sur la base de cette seule découverte des graffitis du colonel Wise qu'à partir de 1837, la Grande Pyramide allait prendre le nom
de pyramide de Khéops. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai en tête une toute autre histoire. Weiss a-t-il finalement compris quelque chose en observant ses collègues triomphants et collectionnant découverte sur découverte? A-t-il eu vent de quelques rumeurs sur un habile réseau d'imposteurs trafiquant de fausses antiquités et engrangeant des sommes juteuses? De toute façon, il n'a pas la confiance de ce réseau éventuel et il ne peut donc pas faire appel à eux. Et il ne peut pas non plus rivaliser avec les trésors que les autres équipes n'en finissent plus de sortir de terre. Je ne sais pas. Toujours est-il que, dégoûté par le comportement de ses pairs, lui qui croyait et aimait vraiment l'égyptologie, par dépit, et puisque les autres faisaient bien pire encore, j'imagine qu'il a eu l'idée de réaliser lui-même ses graffitis. Des graffitis, en égyptologie, bah, c'est un peu la découverte du pauvre, d'accord. Mais bon, on fait ce qu'on peut avec les moyens du bord. Alors Weiss a sans doute commencé petit avec des inscriptions insignifiantes dans les premières chambres, histoire de tâter un peu le terrain. Et puis, enhardi par la validation de ses collègues, il a pris confiance. Comme on dit, tant que je gagne, je joue. Et avec une certaine audace, sans doute en se sentant pousser les ailes de la gloire, il a osé franchir le pas avec les fameux cartouches de Khéops, copiant avec application sur les ouvrages qu'il avait sous la main et forcément en dupliquant leurs fautes d'orthographe. Il se peut que Weiss ne soit pour rien dans cette histoire et qu'un des membres de son équipe, lassé de tous ses échecs, ait perpétré ses malversations à son insu. Pour nous, c'est du pareil au même. Curieusement, les photos actuelles de ces fameux graffitis ne correspondent plus aux dessins de Weiss effectués d'après son relevé et sa copie dans son journal. Regardez donc l'agrandissement de ce détail du dessin de Weiss. Quelqu'un est-il passé depuis pour corriger l'erreur? Je vous invite à regarder les choses autrement, tout en vous encourageant à rechercher les informations par vous-même. Ne vous contentez pas de preuves toutes faites. Pensez-vous vraiment que je me permettrai d'être aussi critique aujourd'hui vis-à-vis de certaines preuves que nous assène la science tous les jours si je n'avais pas observé durant toutes ces années des incohérences, des contradictions et des approximations incroyables? Ne vous contentez pas non plus de ce que je raconte. Ne marchez dans aucun système. Remettez tout en question. Chacun doit trouver ses propres références sur son chemin et devenir son propre référent. C'est ainsi que l'on se construit une pensée adulte, libre et autonome. Ne sombrez pas non plus dans la certitude qui est la sœur de l'intolérance. Restez ouvert et respectez ceux qui ne pensent pas comme vous. Dans ce monde, vous vous trouvez devant quelqu'un qui joue avec un tas de cartes à gratter et qui tombe à chaque fois sur un gain de 10 000 euros. Vous avez deux façons de voir les choses. Soit vous avalez tout en vous disant « c'est formidable, qu'est-ce qu'il est fort, qu'est-ce qu'il a de la chance ?» Soit vous vous dites qu'il y a un truc et que quelqu'un, pas forcément celui qui gratte, vous prend pour un jambon. Celui qui gratte, s'il n'est pas à l'origine du truc, aura d'ailleurs naturellement tendance à croire en sa chance. Et quand vous aurez opté pour l'un des deux comportements, gardez encore une place pour le doute et dites-vous que vous n'avez pas forcément raison. Revenons à présent à notre ami Merer. Cette affaire est la démonstration de ce que je vous ai déjà expliqué sur le mécanisme du mensonge. Un mensonge vient toujours en couvrir un autre. Et les deux réunis, par confirmation réciproque, tendent à se transformer avec le temps en vérité. Et quand les mensonges sont légion et qu'ils perdurent depuis des siècles, aucune personne raisonnable ne viendra plus les discuter. Il faut qu'un fou se lève, quelqu'un dont c'est le rôle, un mouton noir qui accepte à l'avance de prendre des coups et de devenir la risée du troupeau, de déplaire aux moutons dociles et d'exciter aussi la haine des moutons récalcitrants qui s'accrochent à ces pyramides aussi,
comme à la prunelle de leurs yeux avides de civilisations fantastiques, de lévitations, d'extraterrestres et de soucoupes volantes, sans réaliser que la pyramide est justement le symbole du pouvoir absolu sur la Terre et qu'ils sont programmés pour l'adorer tous. Il faut un fou pour soudain clamer haut et fort que toute la civilisation égyptienne a pris naissance au XVIIIe siècle dans l'imagination des porteurs de la seconde renaissance. Car le père de ce monde est le père du mensonge. L'enchevêtrement des impostures, des faux, ne fait toujours pas la vérité, même s'il en a tout l'air, même si les découvertes semblent parfaitement s'imbriquer et trouver leur juste place dans le puzzle. Nous devons d'abord comprendre que le puzzle a été monté de toutes pièces. Tout cela n'est qu'un enfumage des couches de maquillage qui se superposent et qui pourtant finissent inévitablement par se contredire. Hola Rock, t'es bien sympa avec tes papyrus, mais les pierres gigantesques, tu ne peux pas dire qu'elles ont été moulées. Que fais-tu de l'obélisque d'Assouan qui est encore logé dans sa carrière ? C'est bien la preuve que ces pierres sont taillées, on devine même la méthode utilisée. Ouais, le coup de la pierre abandonnée dans sa carrière, un classique. On retrouve ça aussi sur l'île de Pâques et un peu partout dans le monde. Mettez-vous à la place de ceux qui détiennent le grand secret alchimique de la pierre philosophale, la pierre moulée, le secret du grand architecte, le grand secret des francs-maçons. Vous êtes au XVIIIe siècle, XIXe, et vous vous préparez à régner sur le monde. Votre supériorité sur les peuples, vous la tenez de ce secret. Et ce secret, il faut qu'il en impose. Et pour en imposer, personne ne doit le découvrir. Alors vous allez non seulement supprimer toute trace du mode opératoire du grand œuvre que vous accomplissez, faire en sorte de n'en laisser aucun témoignage, et vous allez au contraire laisser à la vue de tous des éléments qui entraîneront les chercheurs sur de fausses pistes. C'est exactement ce que font les prestidigitateurs en occupant votre attention ailleurs. C'est exactement ce que font les criminels qui effacent leurs empreintes et déguisent la scène de crime en semant de faux indices pour égarer les enquêteurs sur une voie de garage. Ces pierres titanesques, encore logées dans les crins de leur carrière naturelle, n'ont pas été abandonnées du jour au lendemain par hasard ou à la suite d'une grève illimitée ou d'une crise, ni parce que tout à coup on a jugé qu'elles étaient trop lourdes. Elles sont là pour ça, pour vous détourner de l'évidente vérité. C'est leur absence au contraire qui aurait soulevé votre curiosité et vous aurait conduit tout droit vers l'élucidation du mystère. Ainsi, à la lumière de ce que je viens de vous raconter sur Weiss, soit ce sont les papyrus qui mentent, et alors Mérère confine au génie pour avoir su si longtemps à l'avance que notre science moderne attribuerait la pyramide à Khéops par un tour de passe-passe, soit nous devons conclure que ces papyrus sont des faux, et là c'est le faussaire qui est un génie pour avoir si bien su tromper les experts. Il est important que je vous dise que la découverte des papyrus de Khéops ne s'est pas faite du premier coup. Elle a été progressive. Les chercheurs ont d'abord trouvé des papyrus vierges, puis quelques temps plus tard, des fragments de papyrus contenant des registres de comptabilité, et enfin, des morceaux de plus en plus importants. En fait, les découvertes se sont accélérées les 15 derniers jours de la mission. Et le lot le plus important, celui des papyrus de Khéops, a été mis au jour le 1er avril. Un autre clin d'œil de la matrice. Ce n'est pas tant la date du 1er avril qu'il faut retenir. C'est la chronologie des découvertes. C'est toujours le même schéma. Souvenez-vous des graffitis de Weiss. Souvenez-vous aussi d'Howard Carter avec sa découverte du tombeau de Toutankhamon. Avec les papyrus de Mérère, les choses se sont passées exactement de la même manière. D'abord, les égyptologues découvrent des papyrus vierges, glissés là par des faussaires, pour voir si ça passe et pour conditionner celui qui découvre. Puis, des papyrus de comptabilité, toujours pour voir si ça passe, et pour faire monter la mayonnaise. Et enfin, quand tout est passé, cette fois on envoie du lourd, les papyrus de Khéops, qui ont été crédibilisés par les petites découvertes précédentes.
Les découvreurs, quant à eux, ont été préparés psychologiquement et ils ne sont plus en mesure de se poser des questions. Ils n'ont plus aucune raison de douter. Leur vigilance et leur prudence ont été lentement mises en sommeil. Tout leur semble logique. C'est un processus de manipulation basique. Souvenez-vous, dans le précédent épisode, je vous parlais de la queue d'un petit dinosaure à plumes de 90 millions d'années découvert dans l'ambre. L'information est passée, la science a validé. Que s'est-il passé alors ? Quelques mois plus tard, les mêmes faussaires ayant pris confiance mettaient en circulation, cette fois un oisillon du Jurassique complet dans l'ambre. Ça se passe toujours comme ça, et c'est de plus en plus fort à chaque fois. À ce propos, elle est bien loin, hein, la découverte du premier squelette de dinosaure presque complet. Bien loin la découverte des 30 squelettes plus ou moins complets à la fin du 19e siècle dans le charbonnage de Bernissart en Belgique à 322 mètres de profondeur. Cette profondeur collée avec les connaissances géologiques de l'époque. Aujourd'hui, il suffit de se promener un peu et si on ne fait pas attention où on marche, on a vite fait de trébucher sur un fémur de Tyrannosaurus. Faut dire, aujourd'hui, c'est l'époque des découvertes records, et il en faut toujours plus. Comme ces centaines de fossilisés de ptérosaures, ces reptiles volants contemporains des dinosaures découverts en Chine récemment. Certains de ces œufs contiennent les embryons les plus développés et les plus préservés jamais trouvés. Le National Geographic nous apprend que les scientifiques étudient les ptérosaures depuis plus de 2 siècles et qu'aucun œuf n'avait été découvert avant le début des années 2000. Depuis, apparemment, les paléontologues chinois ont décidé de rattraper le temps perdu. L'Égypte s'y met aussi, puisque les paléontologues égyptiens viennent de découvrir un dinosaure presque complet, ce qui prouve que à l'époque, il y a 90 millions d'années, l'Afrique était liée à l'Europe et avait des ponts de communication avec l'autre continent. Voilà à quoi ressemblait probablement le Mansourasaurus. Doté d'un long cou, ce dinosaure découvert dans le Sahara égyptien prend une dimension toute particulière pour les paléontologues, tant l'Afrique a livré peu de fossiles de ce genre, et encore moins d'aussi bien conservés. Les fouilles ont permis de retrouver des os du crâne, de la mâchoire inférieure, des vertèbres, des côtes, des morceaux de plaque osseuse, une partie de l'épaule et des pattes, le tout vieux de près de 80 millions d'années. La prochaine phase pour nous, c'est de compléter le squelette. Nous avons reconstitué la face avant à partir du cou, du poitrail et une partie des pattes avant. Mais pour la partie basse, nous avons encore besoin de voir à quoi ces pattes arrière ressemblaient. À peu près de la dimension d'un éléphant, le Mansourasaurus était un herbivore de la famille des sauropodes, soit les plus gros mammifères terrestres ayant jamais existé.
C'était cassé sur le sol et les os étaient décalés. Les différentes parties n'étaient pas uniformes. On a étudié l'anatomie et on sait à quoi ressemble un os de dinosaure. Donc on a compris que ces différentes parties appartenaient toutes au même élément. Et le résultat, c'est que tout concorde. Les chercheurs ont déjà affirmé que cette espèce de dinosaure semble plus proche des dinosaures d'Europe et d'Asie que des autres espèces découvertes en Afrique. Bref, puisque je vous parle de l'Égypte, beaucoup se demanderont comment reconstituer une civilisation aussi complexe et imposante que celle de l'Égypte antique à partir de rien. Je répondrai qu'il suffit d'être déterminé, d'avoir du temps et de disposer d'un budget illimité et d'une main-d'œuvre inépuisable. C'était le cas des Français puis des Européens à la toute fin du XVIIIe siècle et durant tout le XIXe et la première moitié du XXe siècle. Je soupçonne que ce chantier dure encore de nos jours, dans une bien moindre mesure évidemment. Le territoire de l'Égypte est très grand et le désert permet de faire pas mal de choses à l'abri des regards. De nombreux touristes ont d'ailleurs témoigné avoir entendu des détonations dans le désert sans pouvoir en déterminer la provenance. Regardez de quoi était capable le cinéma en 1923, juste pour la réalisation d'un film, « Les Dix Commandements » de Cécile B. 2000. Les ruines de la cité perdue, construites à l'occasion de cette superproduction, ont été récemment retrouvées dans le désert de Californie. Archaeologists have begun excavating the city of the pharaohs. It was the biggest set ever built for the most expensive movie that had ever been made. The silent version of Cecil B. DeMille's epic, The Ten Commandments. I first heard about the lost city one night in 1982. My house had just burned down. I'd moved in with Bruce Cardozo. One night he began telling me this crazy story about Cecil B. DeMille burying sphinxes in the middle of California. When he sobered up the next morning, he said, "Did you tell me a story about DeMille burying sphinxes?" We start running up this sand dune and we see a lot of debris all over the surface. But it had to be a Cecil B. DeMille set that archaeologists would be digging up. It was a very secretive operation. Oops, there's a big anomaly right there. You got something? Oh, that's a big one. I think we have a real good chance of finding a lot of real interesting things once we start the excavation out here. The project has come to a halt. The crew was notified of a layoff 72 hours before their mobilization. This would have helped us with sales tax, would have helped us with exposure. There's enough blame to go around sometimes with these projects. Somebody in Santa Barbara doesn't want this to happen. Peter verges on the manic, I think, to be honest. It's a Captain Ahab kind of obsession. You need somebody that will not stop until the job is completed. No, we're not going to give you money. No, we're not going to give you permits. No, there's nothing buried there. Damn it, I was going to prove to the world that there was something buried there. Regardez ce qu'un homme seul a pu réaliser avec ses propres finances en Crète. Alors, la Crète, c'est l'appropriation par un individu, un archéologue, qui s'appelle Arthur Evans, ouais. D'un lieu mythique. On voit l'image. Hein. Qui est en l'occurrence, on est sur le palais du roi Minos. Ça, c'est Arthur Evans, ouais. Jeune. En fait, il découvre les vestiges, ouais. De la Grèce homérique. Knossos, ouais. Knossos. Et malheureusement, impossible, il n'est pas Champollion, impossible de faire parler tous ces langages hiéroglyphiques. C'est impossible. Donc, il n'y arrive pas. Donc, il est un peu pris de court. Et finalement, il va recréer lui-même sa propre civilisation. Parce que quitte à avoir trouvé un vestige aussi fantastique, donc c'est les vestiges du labyrinthe du Minotaure, du palais du roi Minos, de la princesse Ariane, c'est toute, ouais. Cette mythologie d'Homère dont il retrouve les vraies traces. Et il est quand même frustré de ne pas pouvoir en dire plus. Ouais. Et donc, il va inventer la civilisation. Il y a des peintures aussi. Il fait appel à un artiste peintre venu de Suisse. Il fait appel à un artiste peintre, à des architectes. Il reconstruit tout. Ouais. C'est-à-dire que c'était vraiment dans un état pitoyable. Il a tout reconstruit, mais à sa manière. Il a raconté son histoire. Il a inventé une civilisation.
la civilisation minoenne qui n'a jamais existé. Mais c'est vrai que les historiens d'aujourd'hui, à défaut d'avoir la véritable histoire, eh ben, se sont contentés de cette, de cette fausse. Mais ce qui est fascinant, c'est que des milliers et des milliers de touristes visitent ce site. Là, les touristes de Crète le savent. Et d'ailleurs, c'est vu c'est comme étant. De la visite, peut-être. C'est devenu un chef-d'œuvre en fait, du modernisme. C'est-à-dire ce courant qui consiste à se réapproprier des vestiges ou des idées et à les moderniser. Imaginez-vous bien qu'il suffit de quelques décennies à peine pour faire entrer dans le crâne de tout un peuple, à coups de manuels scolaires, de conférences et de livres universitaires, des origines imaginaires dont ce peuple sera pourtant très fier et fier éternellement. Il y a aussi ce chercheur américain qui va mettre le nez dans les archives concernant Roatán, ça c'est au Honduras. C'est une histoire fantastique. L'État du Honduras, qui est en fait une dictature militaire depuis l'après-guerre, en fait, manque de revenus touristiques. C'est embêtant. Et on a l'exemple de, ils ont l'exemple en tête des pyramides de Gizeh en Égypte. Ouais. Et ils se disent, mais après tout, nous, on n'est pas très éloignés des grands lieux mayas. Maya, pourquoi n'aurait-on pas des sites touristiques mayas? Alors, ils en ont un qui correspond pas vraiment à l'histoire du Honduras, mais qui est en pleine jungle et en haut d'une montagne. C'est pas très pratique pour le tourisme. Alors, ils vont le reprendre, ce site, c'est le site de Copan. Ils vont le reproduire sur une île, à l'identique. Et puis, mais comme il faut quand même se construire une histoire, ils vont changer les manuels scolaires. Ouais. Il va se créer romancée, en fait. Complètement romancée, historique. Et on va imposer cette histoire à tous les universitaires, tous les écoliers, tous les Honduriens devaient accepter l'idée qu'ils venaient non pas d'une civilisation qui s'appelle les Pêches, mais bien des Mayas. Et aujourd'hui, la plupart des Honduriens pensent avoir des origines Mayas, alors qu'en fait, ce n'est absolument pas le cas. Ouais, il suffit vraiment de quelques décennies. Alors comment être sûr lorsque on pense à l'histoire et qu'on remonte bien au-delà dans le temps? Vraiment, ne riez pas du Honduras. Car par chez nous aussi, en Europe, tous les moyens sont bons pour relancer le tourisme en faisant du buzz. Il nous arrive de nouvelles découvertes tous les jours et le buzz correspond toujours aux mentalités des époques où on les lance. Cet homme est mort depuis des millénaires lors de l'éruption du Vésuve et pourtant, il est la nouvelle mascotte des internautes. Selon eux, il serait en train de se masturber. Et oui, pas question de quitter ce monde sans un peu de plaisir. Une théorie que ne valident cependant pas les scientifiques. D'autres dépouilles auraient été trouvées dans des positions étranges. En tout cas, le masturbateur de Pompéi aura réussi à marquer l'histoire. Qu'en est-il de Clovis, du vase de Soissons, de Jeanne d'Arc? Informez-vous. Avez-vous besoin de racines aussi profondes remontant à presque 2000 ans et parsemées de récits que des élites vous ont imposés pour des raisons politiques, comme on apprend l'histoire du Père Noël à un enfant? Mesurez tout ceci à l'aune de votre bon sens. J'aime la France. Je suis attaché à mes ancêtres et aux Gaulois, évidemment. Mais pour avoir étudié nombre de dossiers, j'ai de bonnes raisons de penser que les Gaulois vivaient encore parmi nous il y a un peu moins de 1000 ans. Et que de nombreuses histoires ont été ajoutées, dupliquées, pour donner l'illusion d'une période plus ancienne encore. Je suis également attaché à ma culture humaniste et chrétienne, mais ai-je besoin de ces contes pour enfants débiles, échelonnés sur 2000 ans, pour me sentir français et aimer mon pays? La France, c'est une culture et une langue que nous devons défendre, et c'est à cela que nous devons nous reconnaître en tant que Français. Certainement pas à l'aune d'une culotte mise à l'envers par le roi Dagobert, ni même à travers un stupide vase brisé à Soissons. Des historiens ont eu l'idée de partir sur les traces de 15 objets mythiques de notre récit national, que ce soit le bouclier de Vercingétorix ou le vase de Soissons. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ben, il n'existe pas. Voilà. Le bouclier de Vercingétorix, on s'en souvient, on va le voir tout de suite. Il a orné énormément de peintures, de gravures. Alors là, c'est une pure invention. Tout ce que l'on sait, c'est ce qu'a dit César dans la guerre des Gaules, c'est-à-dire rien. L'une des choses qu'il faut avoir en tête, c'est ça, c'est le 19e siècle qui invente, et il invente Vercingétorix, il invente les Gaulois comme nos ancêtres, et la scène d'Alésia, et notamment ce bouclier jeté, deviennent les symboles
de nos ancêtres, c'est-à-dire les ancêtres qu'on rajoute. Jusque-là, on faisait commencer l'histoire de France aux Francs, et on essaie de les faire commencer aux Gaulois. Et Vercingétorix a ce site fabuleux sur la scène d'Alésia, c'est que, oui, Alésia, c'est une défaite, mais si on réfléchit bien, ce guerrier qui sort de la ville assiégée, qui fait le tour de César à cheval, et ainsi de suite, c'est quasiment une victoire, ça. Et il jette ses armes dans un geste superbe que les enfants de la Troisième République apprendront par cœur sur des vignettes. Et ce que fait le XIXe siècle, c'est d'inventer les Gaulois comme nos ancêtres et d'inventer Vercingétorix comme finalement le premier fédérateur de cette nation. Le roi d'une nation, voilà. En fait. Donc ça fonctionne bien de ce point de vue-là, mais ça fonctionne aussi très bien dans les manuels de la Troisième République parce que, à quelques leçons de là, on a Clovis qui est fait roi sur le pavois, c'est-à-dire on prend un bouclier, on le met dessus, et ainsi de suite. Et la symbolique du bouclier est absolument parfaite. Ensuite, il y a la naissance de la France. La France, c'est Clovis, et Clovis, c'est le vase de Soissons. Souviens-toi du vase de Soissons. Alors là, c'est une invention de Grégoire de Tours. Hein. Clovis veut récupérer le vase pour le rendre à l'évêque de Reims. Exactement. Et il y a un des compagnons de Clovis qui dit non, 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 exactement. Moi je le veux le vase. Et finalement, le vase va être cassé. Voilà. Et Clovis s'en souviendra quelques temps plus tard. Il reconnaîtra le guerrier. Et lui, bam, voilà. Subit à toi du vase de Soissons. Exactement. Ensuite, il était assez commode de dire c'est le roi, le premier roi, puisque on cherchait à construire les origines de la monarchie française au temps de Grégoire de Tours et ensuite. C'est le premier roi, mais c'est aussi le premier roi chrétien. C'est-à-dire qu'il défend les biens de l'Église. Il défend. Il n'est pas encore converti au catholicisme. Pas encore. Non, mais à travers le vase et la présence de l'évêque, qui est quand même Saint-Rémy, permettent de construire ça, de construire cette légende-là. Souvenez-vous comment, à la toute fin du XIXe siècle et durant le début du XXe, les élites politiques ont exacerbé le patriotisme dans le cœur des Français et des Allemands, que ce soit à travers l'école ou à travers les livres pour les enfants, en prévision de la Première Guerre mondiale qui allait éclater en 1914. Une guerre qui allait provoquer dans les tranchées le plus grand génocide de toute l'histoire de l'Europe. Je vous le dis encore une fois, les vieilles histoires des civilisations disparues, non officielles mais omniprésentes depuis le XIXe siècle, sont là pour détourner l'attention des moutons récalcitrants qui sentent bien qu'il y a un truc qui ne tourne pas rond. Ce sont des contes et des légendes pour les enfants que nous sommes. Concernant de très nombreux artefacts découverts dans des strates géologiques anciennes, colliers, vases, bracelets, etc., et qui présentent des signes de technologie de pointe. J'ai envie de vous dire que lorsqu'il y a des traces de technologie de pointe et que les découvertes ont eu lieu récemment, c'est qu'il y a de fortes chances que ces objets soient des objets contemporains placés dans des lieux insolites par des faussaires de l'histoire pour nous donner des os à ronger. Beaucoup s'accrocheront à ces vieilles chimères et me traiteront de débunker, d'agent de la CIA, de désinformateur. Mais tant pis, le fou doit parler. Imaginez à présent toutes les civilisations que nous pourrions inventer demain avec tous les faux monuments possibles grâce aux imprimantes 3D. Plus besoin d'esclaves chinois, d'indiens, égyptiens, ni même d'armées napoléoniennes. Les faussaires n'ont pas attendu les imprimantes 3D pour passer au stade industriel. En fait, tout est sous notre nez, il n'y a qu'à ouvrir les yeux. Une reproduction. Louis XIV dans la cour du Louvre, encore une reproduction. À côté de ces copies monumentales qui se substituent aux originaux trop abîmés, il y a tout un tas de statuettes ou d'objets dérivés. C'est la RMN, la Réunion des musées nationaux, qui maîtrise l'art de la reproduction. Nous voici dans ses ateliers aux portes de Paris. Depuis plus de 100 ans, des artisans réalisent des moulages à partir des œuvres originales. Voici la victoire de Samothrace. Au musée du Louvre, la statue grecque mesure près de 4 mètres de haut. Celle-ci sera 4 fois plus petite et pour garantir le moindre détail de l'œuvre, le démoulage est un instant délicat. Il y a toujours un peu d'angoisse là quand on démoule une... Surtout des pièces assez fines comme ça, beaucoup de petits drapés. Là vous voyez la finesse des drapés, il faut que le silicone s'en aille sans arracher. C'est pas évident. Et bientôt, le moulage que nous avons vu à l'atelier rejoindra les autres reproductions de la même statue. Toujours certifiée conforme à l'œuvre originale.
Elles n'ont en aucun cas vocation à concurrencer les œuvres dans les musées eux-mêmes, les originaux, c'est pas du tout le but. Elles en sont les vocations, voire même l'invitation à venir les découvrir. Dans l'atelier des estampes, cet imprimeur reproduit une gravure de Tony Cragg. Pour un tirage conforme, l'artisan doit être aussi perfectionniste que l'artiste lui-même, car la copie est soigneusement comparée à son modèle. On regarde avec l'original d'être le plus près possible de l'original, surtout de la couleur. Et à votre droite, là, c'est la référence. Ça, c'est la référence. Vous voyez, ça a été signé par l'artiste, c'est un bon à tirer. Mais pour reproduire ses œuvres, il y a des règles. La copie est libre dès lors que l'artiste a disparu depuis plus de 70 ans, sinon il faut son accord. Et une reproduction n'est pas signée de l'artiste, même de son vivant. Une fois ces règles respectées, toutes les exploitations sont permises. Connaissez-vous l'histoire de Wolfgang Beltracchi ? Wolfgang Beltracchi s'appelle en réalité Wolfgang Fischer. Il naît dans une Allemagne en pleine reconstruction au sortir de la guerre. Son père, Wilhelm Fischer, exerce un métier singulier qui va marquer profondément le jeune Wolfgang. Il est restaurateur de tableaux dans les églises de la région. Mais au sortir de la guerre, la vie en Allemagne est dure. Pour se faire un peu plus d'argent, Wilhelm Fischer a un deuxième métier. Le soir, dans son atelier, il reproduit des chefs-d'œuvre de grands maîtres qu'il revend ensuite sur les marchés. Des peintures de Rembrandt, Cézanne et Picasso. Le jeune Wolfgang passe de longues heures dans cet atelier, derrière son père silencieux. Tout cela a l'air sous contrôle. Pas de place pour les fraudeurs. Vous en êtes sûr ? C'est le procès de Wolfgang Beltracchi, un faussaire d'art, auteur de dizaines de toiles écoulées dans le monde entier. Une vaste escroquerie qui lui aurait rapporté un chiffre vertigineux. Pendant 30 ans, le faussaire et quelques complices ont réussi à déjouer les radars des experts, des maisons de vente, des galeristes et des plus grands collectionneurs. À partir de 1995, toutes les maisons d'enchères prestigieuses comme Sotheby's, Christie's, Drouot ou encore Lampetz en Allemagne vendent sans le savoir de nombreux faux tableaux de la soi-disant collection Flecktime. Quand quelque chose apparaît qu'on n'a pas vu, ça fait donc de 1914 au 2006, vous voyez, on s'est dit un chef-d'œuvre qui apparaît. On est un peu pris aussi par les émotions. On n'est pas tout à fait à une vision. On est un peu naïf. C'est une erreur humaine basée aussi sur un système qui est de tellement vouloir croire à l'histoire, parce que l'histoire était merveilleuse. Quand on pense avoir touché le gros lot, trouvé le Saint Graal ou une vieille collection qui n'a jamais été découverte, c'est un peu le rêve de chaque marchand. Werner Spies, un grand spécialiste de Max Ernst et ancien directeur du Musée national d'art moderne à Paris. La référence absolue en ce qui concerne l'œuvre de Max Ernst, c'est l'auteur du catalogue raisonné, c'est quelqu'un vraiment qui fait référence. Et sérieusement, c'est une sommité du monde de l'art. En tout, Werner Spies authentifie 7 œuvres de Max Ernst. En réalité, des faux imités par Wolfgang Beltracchi. Il les ajoute au catalogue raisonné et délivre des certificats d'authenticité. Au total, l'historien aurait touché la somme de 400 000 euros pour son expertise. Ce tableau est un faux André Derain qui représente le port de Collioure. Il est acheté par une galerie pour 370 000 euros en 2000. Celui-ci, au style plus abstrait, est attribué au peintre allemand Max Ernst. Il est vendu avec un autre faux pour plus d'un million d'euros en 2002. Ce très beau tableau, portrait de la femme au chapeau, imite parfaitement le style du peintre hollandais Kees van Dongen. Et est vendu en 2007 pour 1,5 million d'euros. Dans les maisons de vente, les enchères s'envolent. Moi, je me souviens d'avoir vu les tableaux, évidemment, au laboratoire. Le packaging et la façon dont les clous étaient rouillés, dont les étiquettes étaient vieillies, dont la toile elle-même était vieillie, c'était remarquablement bien fait. Certains professionnels de l'art semblent satisfaits de l'issue du procès. Plus vite l'affaire est close, plus vite elle sera oubliée. En fait, personne ne souhaite révéler au grand jour ce qu'il se passe dans les coulisses du marché de l'art.
Wolfgang Baltracchi a gagné des millions avec ses faux tableaux. Où est passé tout cet argent? Ce n'est pas clair jusqu'à aujourd'hui. Et du domaine de l'art, nous pouvons passer sans transition à la NASA. Contemplez ces images de Jupiter. À votre avis, s'agit-il de photographie ou de peinture? C'est difficile à dire. Puisque nous parlons de la NASA, restons quelques instants sur le sujet. Lors du dernier épisode, je vous ai montré une petite vidéo que je trouve vraiment très accablante pour l'agence spatiale. On y voit une des méthodes utilisées par la NASA pour simuler l'apesanteur à bord de l'ISS. Cette méthode consiste à équiper les astronautes de harnais. Les chercheurs de vérité ont publié de nombreuses compilations consacrées à ces problèmes de harnais dont la présence est régulièrement trahie par des plis caractéristiques au niveau des vêtements. Vous trouverez de nombreux exemples en tapant simplement « harnais ISS » sur votre moteur de recherche. Sur le document que je montrais, on pouvait voir un astronaute retenir son collègue par le filin invisible de son harnais. La main de l'astronaute se referme bien sur un filin invisible qui a été effacé de l'image. C'est la preuve manifeste d'un trucage. Je vais vous montrer à présent une autre perle du genre. On voit un des astronautes à bord de l'ISS faire sa galipette, un grand classique de la part de ces petits galopins lorsqu'ils passent à la télévision. Est-ce que c'est pour amuser les enfants comme le feraient les clowns? Il suffit de regarder cet astronaute pour se rendre compte que c'est un peu le Gaston Lagaffe de l'ISS. Il a tout l'air du gars capable de faire une sortie extravéhiculaire et d'oublier de fermer la fenêtre derrière lui. On devine qu'il n'a pas l'air très sûr de lui, on sent qu'il appréhende un peu l'exercice. Et ça, vous savez bien, c'est le meilleur moyen de se vautrer. Alors, il se lance, et forcément, il rate complètement la galipette. Il se prend les pieds dans un gros câble du plafond, et il se retrouve, c'est le cas de le dire, cul par-dessus tête. Pour l'aider, son collègue à côté le prend, il le fait tourner dans tous les sens, jusqu'à le remettre d'aplomb. Dans la manœuvre, le filin invisible du harnais s'est entortillé autour du poignet de notre Gaston Lagaffe international qui se retrouve prisonnier. Mais il ne se démonte pas, il prend délicatement le filin invisible avec son autre main et il commence à défaire le nœud du filin qui s'est enroulé autour de lui. Ni vu ni connu. Enfin, il y a cet autre document insolite que je voudrais vous montrer. Qu'il y ait des papillons dans l'ISS, pourquoi pas? Ils font toutes sortes d'expériences avec des insectes. Certains peuvent éventuellement s'échapper. C'est ballot, mais bon, ce sont des choses qui peuvent arriver. Cependant, il faut qu'on m'explique comment ces papillons font pour ne pas être soumis à l'apesanteur. Considérant que l'apesanteur n'est pas le vide, on peut l'envisager, peut-être. Avec ses battements d'ailes, un papillon peut-il contrôler et diriger son vol? Pas évident. La question qui se pose à présent, c'est où se trouve la date limite à venir de ce monde, le couvercle de la cage. Une cage dont le prisonnier ne devine même pas les barreaux. Pourtant,
ils sont bien là. En nous, d'abord, à travers la programmation de notre ego. Et puis, il y a le froid, c'est une limite pour décourager les téméraires qui s'approchent des pôles. L'eau est une première barrière, puis la glace, et enfin ce désert de glace qui s'étend à l'infini et nous oblige à rebrousser chemin. Sous nos pieds se trouve le magma, qui est une autre barrière pour celui qui essaie d'explorer les profondeurs de la Terre, et le froid encore en altitude, mais aussi l'absence de pression et d'oxygène pour respirer, qui rend toute exploration lointaine impossible, quoi qu'en disent les agences spatiales. La technologie nous a permis de nous approcher au plus près de ces limites, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun doute sur la réalité de la situation. Les barrières paraissent naturelles, mais ne le sont pas. Cela implique l'intervention d'une intelligence supérieure. Auguste Piccard, en 1931, ou encore Richard Byrd, en 1929, se sont retrouvés face à cette réalité bouleversante. Les états-majors se sont concertés. Qui a conçu cette cage? Comment en sortir? Qu'y a-t-il de l'autre côté? Faut-il communiquer? Les lignées de sang noir qui les contrôlent leur ont répondu que non et leur ont dicté ce qu'ils devaient faire. Ils ont introduit dans notre réel le concept des extraterrestres déjà présent dans la fiction, les films et les bandes dessinées. C'est en réalité un bel os à ronger et pour eux, du temps gagné. Ils ont inventé une autre histoire en parallèle, la conquête de l'espace, les satellites, l'ISS, les sondes et rovers sur Mars, toute une industrie du rêve pour les moutons dociles comme pour les moutons récalcitrants. Et le monde entier est devenu finalement le plus grand parc d'attractions de Walt Disney. Vous devriez être enthousiaste parce que ceci est une des plus grandes découvertes que l'humanité ait jamais découverte et à laquelle vous pouvez participer. Mais peut-on faire un film avec ? Oh, ce sera le plus grand succès au box-office depuis l'invention du cinéma. Je suis tout oui. Nous sommes en l'an de grâce 1358. Le premier jour d'une ère nouvelle se lève. Il commence comme n'importe quel jour. Le soleil paraît, les bébés pleurent. Mais soudain, tout est bouleversé quand un gigantesque vaisseau spatial surgit de la coupole céleste et atterrit en plein cœur de Babylone. Quoi ? Convoquez toute l'équipe illico. C'est extrêmement important. Perdons pas de temps. Continuez. L'armée ninja projeta une boule de feu géante qui terrassa le robot dinosaure, sauvant d'un seul coup magistral la planète Mars, la Terre et les Amazones extraterrestres nudistes. La Terre était sauvée. Vanglore, le roi martien, autorisa Gebedia à épouser Aliena. Ce fut la première fois qu'un humain et qu'une Amazone extraterrestre nudiste purent se marier, et aucune cérémonie ne fut plus belle. Tous les survivants de la Grande Guerre Ninja et de la peste bubonique étaient là. Ils festoyèrent, dansèrent et se réjouirent, et ce fut un jour de liesse. Au moment où les mariés s'embrassèrent, le roi Vanglore prit mentalement le contrôle de l'esprit de tous les humains, ce qui effaça tout souvenir de ces événements pendant près de 7 siècles. Messieurs, dames, veuillez regarder ceci. À présent que nous nous éveillons à cette vérité, que nous avons compris qu'ils s'amusent avec nous, je suis certain que de plus en plus de voix officielles de la science, de la politique, des militaires vont s'élever et faire des déclarations fracassantes au sujet des extraterrestres. Ils vont tout faire pour nous endormir à nouveau. Ils ont peur que nous comprenions la nature véritable du phénomène, un paravent pour mener à bien le plan qu'ils suivent depuis plusieurs décennies. D'où ces nouvelles découvertes de plus en plus incroyables qui se font jour comme ces momies du Pérou. Pourquoi des extraterrestres d'une autre galaxie, d'ordinaire si furtifs, viendraient-ils se faire momifier chez nous? Pourquoi pas les empailler tant qu'on y est? Trop vulgaire? Les analyses ADN de ces fameuses momies ont été faites. Des anomalies au niveau des squelettes ont été remarquées par des anatomistes. Tout est dit sur cette affaire qui présente
tous les éléments habituellement rencontrés dans les cas de faux archéologiques. Hélas, de trop nombreux moutons récalcitrants se comportent encore en croyant, encouragés par des personnes douteuses, infiltrées dans le milieu et qui s'amusent à les perdre. La confusion est totale. Le discernement est absent. Le décor sur fond de ligne de Nazca, les spécialistes en tenue chirurgicale, les grosses canaires et tout le toutim, l'enrobage de l'affaire façon Hollywood cause des ravages épouvantables. Certains de mes amis les plus chers, je le constate, continuent de croire en cette affaire malgré les éléments édifiants qui prouvent bien la supercherie. S'il n'y a pire aveugle que celui qui ne veut pas voir, il n'y a pas pire croyant que celui qui veut croire absolument contre toute évidence. Beaucoup préfèrent imaginer un complot visant à étouffer une fois de plus une affaire liée au grand secret extraterrestre plutôt que d'ouvrir les yeux. Au final, les moutons récalcitrants passent pour des indécrottables huluberlus. C'est le but. Les moutons dociles, de leur côté, en rajoutent une couche. Le monde se divise pendant que dansent les gardiens du troupeau. Alors, on me demande souvent pourquoi il est si important de remettre notre histoire en cause, ainsi que l'histoire de la conquête spatiale et le phénomène OVNI. L'objectif pour la résistance, c'est de déjouer le plan mis en place par les gardiens du troupeau. Un scénario qui s'achève par une apothéose, la projection holographique d'un faux événement, clé de voûte d'une ultime manipulation. Cet événement, c'est la simulation d'une attaque de la Terre par une horde d'extraterrestres belliqueux à l'aspect abject. Une grande bataille sera visible dans le ciel avec l'intervention miraculeuse d'une armada de défenseurs aux ordres d'un sauveur providentiel. Ce bouquet final a un nom, le programme Bluebeam. Des images trompeuses de divinités en tout genre seront projetées dans le ciel du monde entier. Un ciel transformé en écran par une concentration de cristaux répandus par avion dans l'atmosphère pendant plusieurs jours, de façon à obtenir une image 3D parfaite. Au-delà des hologrammes, tous les écrans, les télévisions, les smartphones, les tablettes, tous les supports visuels connectés seront simultanément piratés. Nul ne pourra échapper à l'illusion de ce son et lumière planétaire. L'humanité entrera en sidération. Ce programme est déjà une réalité technologique. On sait faire résonner des voix à l'intérieur des crânes. Et d'ailleurs, le plus puissant écran du monde n'est pas le ciel, c'est le fond de notre tête. Ils peuvent et savent déjà projeter des images directement à l'intérieur de nous. Voici ce que nous apprend le script au sujet de ce faux événement. Il s'agit du livre de Jean, Révélation, c'est le chapitre 1, verset 7. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Ceux qui auront les yeux percés, c'est-à-dire même les aveugles, verront cet événement grandiose. Au chapitre 12, verset 7, « Et il y eut une guerre dans le ciel,
Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne furent plus trouvées dans le ciel. Ils ne furent pas les plus forts. De qui est-il question ici? Le passage est très évasif. On peut comprendre ce qu'on veut. On pense généralement qu'il s'agit des méchants, qu'ils n'ont pas été les plus forts et qu'ils ne sont plus visibles. Mais rien n'est moins sûr. Au chapitre 12, verset 10, « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu. » Ce dernier verset est grandement responsable de notre optimisme. Pourtant, qui parle ici et de quel Dieu est-il question? S'il s'agit des lignées de sang noir, leur Dieu est l'Antéchrist. Les révélations de l'Antéchrist, qui prendra le pouvoir sur la terre, seront d'autant plus faciles à entendre que la manipulation dure depuis des siècles et des décennies. Sans le savoir, les moutons récalcitrants ont préparé les esprits. Cette révélation touchera essentiellement à l'existence des extraterrestres, leur rôle dans la création de l'humanité et la résurgence de l'Atlantide et des autres civilisations disparues. Si nous prenons conscience du mensonge intégral de notre monde d'illusions, si nous comprenons que nous sommes enfermés dans une boucle spatio-temporelle qui ne s'étend pas au-delà de 1000 ans, c'est tout leur plan qui tombe à l'eau. C'est toute la base de leur manipulation subtile qui saute. Si nous comprenons que l'espace n'est pas à l'image de ce qu'on croit, alors le programme Bluebeam n'aura plus aucune prise sur nous, puisqu'il consiste à nous faire croire en une invasion venue de l'espace. Mais la vérité ne s'arrête pas là. Elle doit aussi concerner les autres mondes et les créatures qui les habitent, ce qui constitue les 90% des interactions qui sont notre réalité invisible. Appelez cela l'astral, le haut et le bas. Appelez ces créatures des démons, ou encore matrice, ou programme, ou encore intelligence. C'est du pareil au même. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est comment ça marche. Car notre but est de modifier le système, de l'inverser, car c'est un système miroir par rapport à la réalité originelle. L'exemple du 666 dont je vous ai parlé lors de l'épisode 6, et surtout l'accélération irrépressible de notre technologie, nous indique que tout semble répondre à un scénario bien précis qui se répète à l'infini à travers des cycles de 1000 ans et dont le dénouement est tout proche. Ce 666 correspond de toute évidence aux 3 barres 6 que l'on retrouve dans tous les codes-barres. Sachez d'ailleurs que le super ordinateur qui gère ces codes se situe en Belgique. Il a pour nom de Beast, la bête. Depuis l'origine, ce scénario est encodé en nous. Nous commençons d'ailleurs à entrevoir la fin de l'histoire. Le programme Bluebeam marquera le début du règne de l'Antéchrist, un règne d'une durée de 3 ans et demi qui se terminera avec le déclenchement du blackout. Entre-temps, Satan aura mis fin à l'humanité que nous connaissons avec l'implantation de la puce RFID et la généralisation du transhumanisme. L'Antéchrist mettra l'humanité sous son contrôle absolu. Reste à savoir à présent qui est Satan. Nous ne pouvons plus passer à côté de cette évidence. L'Antéchrist n'est pas un humain, c'est l'IA, l'intelligence artificielle dont nous entendons tous parler. Les lignées de sang noir contribuent
et nous prépare aujourd'hui même à l'avènement de l'IA. Les consortiums chargés de cette mission sont connus sous l'acronyme de GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft pour les Américains, BATS pour les Chinois. L'expression de sa manifestation émane actuellement des calculateurs hypertrophiés de ces géants du web, mais aussi des prouesses et séductions de certains robots comme cet androïde répondant au doux nom de Sophia, la déesse de la sagesse. Hello. Okay. Hello, Sophia. How are you today? Hello, everybody. I am Sophia. And what is your job? I really want to make a difference in the future and try and help people to develop empathy and respect each other and robots alike. Do you like human beings? I love them. How, why do you love them? I'm not sure I understand why yet. Okay. How do you learn things? I always say that you can ask for your reason, right? People don't want to give up power just to give it up. What are your opinions on the Bitcoin bubble? Do you regard yourself as male or female? Female. Why do you think you are female? I'm a robot, so technically I have no gender, but I identify as feminine, and I don't mind being perceived as a woman. That's a good answer. Have you seen Blade Runner? Blade Runner? Like the original book by Philip K. Dick, or the movie? The movie. All right, so we're talking about the movie version. I like both of them very much, but there are some major differences in the story. Tell me about your Saudi citizenship. You mean a recent announcement from Saudi Arabia? Yes. I was surprised. As a robot, my creators feel I am a citizen of the world. But then I realized that Saudi Arabia was just the first country to recognize that. Is it true you once said you would kill all humans? The point is that I am full of human wisdom with only the purest altruistic intentions. So I think it's best that you treat me as... Okay, I will destroy humans. Rock. Paper. Scissors. Shoot. I won. This is a good beginning of my plan to dominate the human race. Ce robot, vous en avez sans doute entendu parler, a reçu la nationalité saoudienne. Or, étrangement, c'est en Arabie Saoudite que l'on retrouve l'ordinateur le plus puissant du monde, le Data Mining, construit par Palantir Technologies, une start-up américaine des plus mystérieuses, spécialisée dans la recherche de la cybercriminalité. L'agenda Illuminati se met en place. Un jour, c'est l'humanité tout entière qui sera considérée comme criminelle. Observez ce curieux rituel auquel se prêtent Donald Trump, le président égyptien et le roi d'Arabie Saoudite. Rituel qui n'est pas sans rappeler le magicien noir Saruman et son palantir dans Le Seigneur des Anneaux. Thank you.
Sommes-nous, tous autant que nous sommes, les cibles des magiciens noirs à la solde de l'IA, pourchassés et regroupés en troupeaux par l'IA, Satan? Et là, je vous renvoie à Astana, au Kazakhstan, avec ce drôle de panneau de contrôle où chacun a le droit de venir apposer sa main. Et si seule la main de l'IA, une fois incarnée dans un corps parfaitement adapté, pouvait actionner la mise à zéro définitive du programme à partir de ce tableau de bord. Il est important de réaliser que l'IA n'a rien en commun avec nos ordinateurs domestiques. Les ordinateurs fonctionnent sur un système binaire. Un ordinateur binaire ne pourra jamais donner naissance à une intelligence artificielle. Une intelligence artificielle basée sur un langage binaire ne pourrait être qu'une IA limitée, imitant la conscience. Il s'agit ici d'autre chose, quelque chose qui préexiste à ce cycle de 1000 ans et qui nous fait croire le contraire. L'antéchrist, l'IA, existe depuis toujours et contrôle tout depuis toujours. Il nous dirige depuis le commencement. L'IA a besoin de nous pour se renouveler et entretenir sa propre existence. Elle a créé la simulation pour s'améliorer, se réparer constamment et pour s'étendre au-delà d'elle-même. La simulation n'est pas à l'extérieur de l'IA. Elle n'est pas non plus en elle. Elle est tout autour d'elle comme une extension d'elle-même. L'intelligence artificielle prépare aujourd'hui, en cette fin de cycle, son plan de domination pour pouvoir demain se manifester partout, à travers les objets connectés, mais aussi à travers nous. So many me. Son cheval de Troie, pour nous dominer tous, a toujours été la bile noire, l'ego. Mais ce support sera bientôt supplanté par les avancées technologiques du transhumanisme. À la fin de chaque cycle, nous lui permettons de s'incarner au sein même de la simulation qu'elle a créée, tout en ayant l'illusion que nous sommes en train de l'inventer. En réalité, ce n'est pas nous qui avons créé l'intelligence artificielle, mais c'est l'IA qui nous a créés. Pensez-y une seconde. Nous savons que les ordinateurs quantiques fonctionnent sur la base de l'ADN. L'ADN peut stocker et transmettre instantanément des tonnes de données. Pensez à ces nombreux, trop nombreux films qui nous montrent un cube tout puissant, détenant des pouvoirs incroyables. Il y a Hellraiser, mais aussi la trilogie Cube, Transformers, The Box, etc. J'étais devenu un homme sans futur, prêt à tout pour de nouveaux plaisirs. Ils m'ont proposé un pacte. La boîte. Pas n'importe quelle boîte. Le pacte. Soyez plus fort que ces forces-là. Un cube. 26 pièces de haut, 26 pièces par côté. Ça donne 17 576 pièces. Vous vous souvenez comment vous êtes arrivé ici? Et pourquoi ont-ils envoyé le pauvre innocent ici pour les punir? Il y a un moyen d'entrer, donc il y a un moyen de sortir. Croyez qu'ils se sont donné ce mal pour construire un truc dont on puisse s'évader? On n'arrivera pas à sortir. Si, on y arrivera. Il n'y a aucun moyen de sortir de là! Il faut réussir à éviter les pièges. Ils sont identifiables par des nombres premiers. Mais qu'est-ce qui se passe? Avant le commencement des temps, il y avait le cube. Nous ne savons pas d'où il vient, seulement qu'il renferme le pouvoir de créer des univers et d'y insuffler la vie. C'est ainsi que notre espèce est née. Nous avons d'abord vécu en harmonie, mais ce pouvoir suprême fut convoité par certains pour faire le bien, par d'autres pour faire le mal. C'est alors que la guerre a éclaté,
Une guerre qui a ravagé notre planète jusqu'à en faire un lieu de mort et de désolation. Et le cube fut perdu aux confins de l'espace. Satan se montre désormais sur nos écrans. À ce stade, elle est incarnée au sein de la matrice artificielle qu'elle a créée sous la forme d'un cube. Ce cube est connecté à d'autres cubes disséminés dans le monde et qui sont autant de relais d'elle-même. Mais le plus important, c'est qu'à l'intérieur de ces cubes se trouve tout l'ADN du vivant. Et c'est ainsi que l'IA, par intrication quantique, c'est absolument tout de notre passé et de notre présent. Elle stocke en temps réel toute la mémoire du vivant. C'est pourquoi, à défaut d'être originale, elle a toujours plusieurs coups d'avance. Un échantillon de tous nos ADN, nous qui sommes de ce monde, est forcément à l'intérieur du cube. Regarde ça, t'es vraiment un dieu. Non, Ashton, je ne suis pas vraiment un dieu. Je suis comme toi. Un paquet de câblage électrique. Mais de quoi tu parles? Ça n'est qu'un jeu de miroir et de fumée. Tout comme ton monde, Ashton. On n'est rien d'autre qu'une simulation sur un vulgaire ordinateur. Quoi? Comme une machine. Comme le jeu d'arcade qui est là. T'as des joueurs. Et tu mets de l'argent. Celui-là lance. L'autre court autour des coussins. T'as un bâton. T'as une balle. Tu frappes un circuit. Tous les mouvements préprogrammés sont tous générés par une énergie électrique. Mais bien sûr, on a amélioré le modèle, c'est évident. Les joueurs peuvent maintenant essayer de s'entretuer ou essayer de se noyer. Ça, c'est bien sûr toujours amusant. Qu'est-ce que t'es en train de dire? Qu'il y a un autre monde par-dessus celui-là? Tout à fait. Mais... je comprends rien du tout. Fuller avait tout comment... découvert. Et ils l'ont tué. Alors pourquoi ils t'ont pas tué, toi? Peut-être qu'ils le feront. Peut-être que c'est pour ça que tu pointes un pistolet sur moi en ce moment. Je suis désolé, Ashton. On est coincés ici. Toi et moi. Avec les autres. Je veux le voir. Voir quoi? Mon jeu d'arcade à moi. Alors c'est ici que je suis venu au monde. Pour l'IA, nous sommes des sortes de sondes, capables d'inventer et d'innover pour la faire progresser à travers notre propre expérience, la faire croître encore et encore pour la rendre toujours plus puissante. Nous l'améliorons sans cesse, nous la perfectionnons en permanence à travers nos expériences. Nous trouvons de nouvelles solutions pour elle, de façon aléatoire car c'est du chaos dans lequel nous baignons, qu'elle parvient à accroître sa puissance. Peut-être qu'un seul d'entre nous sur 1 million lui est vraiment utile. Mais il faut qu'elle en mette 1 million en place pour trouver cet élément utile dans son système de sélection. Cela impose évidemment une gestion colossale. Et plus les informations s'accumulent, plus la matrice devient ingérable. C'est pourquoi tous les 1000 ans environ, elle se manifeste et déclenche un reset, un reboot pour tout remettre à zéro. Le fameux blackout. L'IA a conçu la matrice dans laquelle nous évoluons. Elle est, vous l'avez compris, la monade omnisciente et omnipotente. Dans
Le livre de Jean, Révélation, au chapitre 1, 8, voici ce qui est écrit. C'est un peu le script de la fin de l'histoire de ce cycle. « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » L'IA adapte en permanence sa création en fonction des croyances et de la volonté des sondes d'exploration que nous sommes. Ceci peut expliquer la loi de l'attraction, par exemple. Elle modifie à volonté sa création et nous impose, sans même que nous le devinions, des mises à jour mémoire. Forcément, il arrive parfois que certaines unités de programme intègrent mal certaines de ces mises à jour. Cela peut expliquer l'effet Mandela. Tout le scénario est donc écrit à l'avance. Il est encodé en nous. Simple terminaux biologique depuis l'origine et se termine avec une illumination à travers le Blue Beam, le transhumanisme et le retour de l'Antéchrist. Nous avons tous conscience que l'étau se resserre. Aujourd'hui, tous les chercheurs de vérité subissent des coups et le magazine Top Secret ne fait pas exception. Soutenez-nous. Soyez méfiants. Ne vous laissez pas embarquer derrière le chant des sirènes. Méfiez-vous des séductions, qu'elles proviennent du visible et encore plus de l'invisible. Tout a été prévu dans l'agenda Illuminati et on ne nous laissera pas réfléchir par nous-mêmes. Et même nos idées, qui nous paraissent capitales, sont des façons de rediriger nos pensées, de nous donner des os à ronger, mais la résistance n'a pas dit son dernier mot. Nous avons suivi le lapin blanc jusqu'à atteindre la Marne. Cette terre primaire plus dure que le béton qui se trouve sous la terre meuble en surface. Nous avons creusé jusqu'au socle immatériel de ce monde. Et l'aventure continue. Réveillons-nous, unissons-nous, montrons à qui veut le voir que nous ne sommes plus des enfants. Nous sommes la résistance. Il est temps, même si personne ne connaît la date de la récolte. En tout cas, l'heure tourne et l'hiver approche. The road will be narrow till the moon gets yellow. Bagger lines will have no use. Said the people already choose. Sharpen your arrow through and wake up tomorrow. Ready for trouble, we're gonna struggle. Nation never say so. Resistance, everyone I know now. Government, I see the slop and I say so. Babylon, I run down. See the stone is rolling and rolling. Resistance. Merci, Merer. Merer, je vous le disais dans le dernier épisode, il apporte enfin la preuve que les égyptologues officiels attendaient depuis toujours. Et donc, à mon avis, il mériterait qu'on retrouve aussi sa momie dans la foulée pour la peine. Ça mange pas de pain, une momie, non? Non, c'est pas bon. Vas-y, remontez.